par Nicolas Rachel. La mauvaise nouvelle, évidemment, c'est cette défaite à Bruges. Et la bonne, c'est qu'avec un nouveau goal à votre actif, eh bien, vous êtes à une moyenne de 1 but par match, 5 goals en 5 matchs. Est-ce que c'est bon pour la confiance ? Bien sûr que c'est bon pour la confiance de marquer des goals. Maintenant, si j'avais pu échanger mon but contre une victoire ou bien le match nul, ça aurait été avec plaisir. On est vraiment déçus de la finalité du match du Cercle Bruges. Maintenant, à nous de nous remobiliser pour ce week-end et faire un bon résultat face à l'OMEL. Ok, selon vous, qu'est-ce qui manque pour le moment à l'équipe pour passer au stade supérieur? Parce qu'on a quand même fait pas mal de partages et une seule victoire, c'est peut-être un peu peu. Ah, c'est vrai qu'on a fait pas mal de nuls jusqu'à maintenant, donc on n'arrive pas trop à avancer, on prend des points par-ci par-là. Je pense qu'on défend énormément et c'est ça qui complique dans notre jeu parce qu'on n'arrive pas à garder ce ballon et parfois à essayer de faire fatiguer l'adversaire ou bien le pousser dans ses retranchements. Mais c'est vrai qu'on court pas mal et au final, certains matchs ne sont pas comme tous les autres. Et les matchs comme le Cercle Bruges par exemple, où on n'arrive pas à garder ce nul. Comparé à des matchs comme l'Antwerp où on arrive à aller chercher au mental ou bien face à Tubize, des matchs comme ça qu'on a réussi à aller chercher des points. Mais bon, on verra, face à l'OMEL ce sera un nouveau match. Alors justement, ce match de l'OMEL c'est un petit peu l'équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Est-ce que ça ne sera pas un peu une sorte de quitte ou double pour rester dans la bonne partie du classement? C'est vrai que l'OMEL c'était une équipe un peu comme nous, qui avait fini dans les dernières places du top 8 l'année passée. Et on ne les attendait vraiment pas à ce niveau, comme vous l'avez dit. Maintenant, je sais que c'est une équipe qui joue avec ses forces, qui ont des bons joueurs offensivement et qui balancent pas mal à ce que j'ai entendu. Donc ils jouent avec leurs forces et nous on jouera avec les nôtres et on espère vraiment que ça nous sourira vendredi soir. Dernière question, Nicolas Rachel. Ça fait maintenant votre troisième saison à l'Union, hein, si on compte le bout de saison que vous avez fait du mercato précédent. Comment vous adaptez-vous à la vie bruxelloise? Ma troisième saison ici maintenant, donc je suis un peu comme chez moi. Je me suis bien intégré ici, ça ne change pas beaucoup de chez moi à Paris. Et j'avoue que j'ai réussi à me faire plusieurs amis ici, et j'arrive à sortir. Non, j'ai ma petite vie sympathique et c'est très bien comme ça. Dans l'intérêt de l'Union, qu'elle soit la plus longue possible.